Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le Morgengreer Tarot qui est dans cette boîte, toute simple. Il y a deux cartes de présentation et puis, alors, c'est même pas un livret, c'est voilà, c'est un dépliant avec le strict minimum. Au niveau des cartes de présentation, on a un petit texte donc qui nous donne des informations sur le créateur. Les cartes donc sont d'excellente qualité. Elles sont standards hein, au niveau de l'épaisseur. Elles sont juste souples ce qu'il faut et surtout elles tiennent très bien. Elles sont alors le dos. Moi j'aime beaucoup le dos déjà. Elles sont plutôt mates. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très bien. Le format, c'est un format type tarot classique. Donc, elles se mélangent très bien. Et puis, elles glissent très bien. Elles sont très, très agréables. On est dans un Rider-Waite revisité qui reste malgré tout très fidèle au Rider classique. Ici, les couleurs sont vives. C'est ce que j'aime dans ce tarot. Et puis, les illustrations sont très jolies. Il y a une belle dynamique. C'est un des tarots que j'ai utilisé bien avant d'ailleurs le Rider classique. Je le trouvais beaucoup plus attractif. Et je le trouve toujours d'ailleurs aussi attractif et aussi joli. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker également si vous aimez la vidéo. Ça m'encourage et ça me fait super plaisir. Donc il est. Je trouve qu'il est même plus facile à appréhender que le Rider classique. Parce que il a un côté un peu plus moderne, et puis ses couleurs, hein, c'est qui sont très jolies. Tous ces tons. Alors évidemment, le Rider classique est incontournable, mais celui-ci me plaît plus. Voilà. Je pense que. Voilà pour les illustrations, ces cartes. Allez, on va mettre le chariot. Alors, pour ce qui est du dépliant, on va vraiment à l'essentiel. On a une introduction. Et puis, alors, déjà, il est en anglais. Et puis, on a voilà, des mots-clés essentiellement. Avec le tirage la croix celtique. Voilà, donc c'est très succinct. En revanche, si on débute avec ce jeu, il est nécessaire d'avoir un livre
pour nous aider. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous le souhaitez. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.